Bonjour, bonjour. Eh bien, Où est-ce que vous allez? C'était besoin de frites. Oui, mais j'ai vu le message de Johanna, besoin de frites, envie de rien. J'ai l'air bonne, non, sérieusement. Et merci, Mamie. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Coucou. Bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous allez tous bien aussi ici. Hein. Tiens, bonsoir Teki, PTDR, Teki. Et merci Chiki, bienvenue, merci beaucoup. Oui, parce que oui, on reprend le SP avec Ariana et besoin de fric, effectivement, parce qu'on est. C'est la Hesse, hein, forcément. Hein, mais on a bien gagné quand même, hein. On avait gagné 450 simflouz et on a décoré un petit peu la baraque. Et merci Nina, bienvenue à toi. On a un petit peu décoré la baraque parce que sinon, bah, la pauvre, voilà, elle se retrouve sans déco, sans rien et c'est un petit peu triste. Ce qu'on devait faire la dernière fois, c'était... Voilà, ça, on a terminé. On va commencer, oui, le travail aujourd'hui à 9h. Ok, on va commencer le travail aujourd'hui à 9h. Tu as mis les new badge de Johanna. Oui, il y a les new badge de Johanna sur la chaîne, bien sûr. Mais bien sûr... Dès que t'as commencé le live, tu as refait ma journée. Bah oui, hein, parce qu'il faut bien le petit live avec la petite Ariana. Oui, c'est. Ah oui, là, tu peux le dire. Pauvre Ariana. Là, clairement, elle est pauvre. Elle est pauvre, mais voilà, faut bien commencer quelque part. Vous inquiétez pas, je suis sûre. Je suis sûre qu'elle deviendra célèbre un jour. Oui, à la fin du live, heure de gloire. Et merci Rosélie, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Coucou Hélène. Rekili. Remarine, mais 15 litres, 15 L, s'il vous plaît, respectez-moi. Toujours pas me rembourser quelqu'un pour la PS4, mais après le scandale de ma mère. Il veut toujours pas me rembourser quelqu'un pour la même après le scandale de ma mère. J'ai pas compris, Nicolas. D'ailleurs, j'ai posté sur le compte de la villa. Oui, d'ailleurs, pour la maison des abonnés, hein, je suis désolée, hein, j'ai testé hier le mode, ne fonctionne toujours pas pour avoir plus de 8 Sims, donc pour reprendre la maison des abonnés. Merci, Crystal, bienvenue à toi. Mais du coup, en attendant, vu que j'avais quelques photos en retard sur le compte Instagram de la Villa des Citrons, je vous invite à aller voir le compte Instagram, bah, justement, de la Villa des Citrons. C'est Villa des Citrons, tout simplement, sur Instagram. Et vous avez des petites images, des aventures, des péripéties sur la maison des abonnés. Enfin, je suis pas vraiment sûre qu'elle va devenir riche, mais pourquoi vous me faites pas confiance, c'est ça? Vous ne croyez pas en ma capacité? On peut pas, parce que ça c'est un auto, on peut pas... Ah je pensais... Ah non, c'est les photos qu'on peut mettre au mur, les autos on peut pas. Par contre, on croirait limite que c'est un bout de papier cramé. Bon allez, on va le vendre, tiens. Vas-y, on a besoin d'argent, on vend l'autographe. Voilà, on aurait peut-être dû l'évaluer avant. On commence dans 1 heure le travail. On va faire un petit pipi room, histoire d'être bien pour aller travailler. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Ah. Pour un live sur Pokémon Go parce que ça fait longtemps que tu as plus fait. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que moi, ça, j'ai bien envie de regarder un petit peu la suite de ce qui se passe dans la maison. On va rejoindre. Enfin, dans la maison, dans la tour plutôt, la tour des fantômes. Il est temps pour Ariana de partir au travail. On va rejoindre Ariana à son boulot. Va voir dans les environs pour gérer des sous. Ouais, j'ai pas trop envie d'aller chercher des cailloux et tout. J'ai envie que ça soit un petit peu, genre, un peu plus réel, quoi. Qu'on galère réellement. Et qu'on essaie de gagner de l'argent avec seulement cette source. Mais ça va devenir riche. Mais si, tous. Moverload, tous. Non, pas de Moverload. Et merci pour le don. Mais il n'y aura pas de Moverload. Parce que sinon, c'est pas drôle. Déjà, d'une, ce sera pas drôle. Et puis voilà, quand elle sera riche, au moins on pourra dire « Ouais, on a tout fait pour qu'elle le devienne. » Bon, il pleut, Ariana, il va falloir vite rentrer. Donc, il va falloir se faire coiffer, maquiller, s'entraîner à jouer et poster une souris sur Simstagram. Et merci Jérôme, bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. À la story pour Simstagram, je suis d'accord, ça nous augmente la notoriété. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal quand même, la notoriété à avancer. Je sais pas si c'est moi qui suis pas... Oui, il me faut un ordinateur. Il faut, là, on investit si on a assez d'argent dans un ordinateur. Alors, hop, là, il faut s'entraîner, se faire coiffer, demander à quelqu'un comment s'est passée la journée. On va demander à la madame.
Comment s'est passée ta journée, madame? Oh, j'ai coupé des cheveux, et puis j'ai vu des cheveux, puis j'ai nettoyé des cheveux. Demandez comment s'est passée la journée. Voilà. Elle peut pas parler en se faisant maquiller? Moi, j'aime bien à chaque fois découvrir la nouvelle tête de ma Sims pour les tournages. Si quelqu'un ne peut pas vous rembourser, dites je vais vous poursuivre en justice, ça marche toujours. Bah ça va et toi, Snowy? Bonsoir, Iman. Merci, Sukuna. Ah, sympa, moi j'aime bien. J'ai pas, elle est bien, elle me regarde comme si elle m'avait foiré la coupe. Oh mais non, genre, elle m'a changé, mais j'étais bien, j'aimais bien la coupe colorée d'avant. Pourquoi? Pourquoi tu m'as changé la coupe? Elle était bien en vert. Wesh, Ok, faire connaissance. On va faire connaissance. Amical. Faire connaissance. Voilà. Mettre un costume. Bah c'est lui, on va voir. Mais j'ai l'impression que c'est le même. On a la même coupe. Mais j'aime bien cette coupe, elle est sympa cette coupe. En soi. Parce que je suis pas trop pour les coupes de base, que je préfère des trucs un peu plus réels. Et je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. J'ai coupé des cheveux, j'ai balayé des cheveux, j'ai lavé des cheveux, j'ai mangé des cheveux. Oh non. Et j'ai chié des cheveux aussi. Oh merde, c'est glauque. On a la même tenue que la dernière fois. Dommage, on ne découvre pas de nouvelles tenues. Mais on peut commencer le travail en demandant au réalisateur qu'on peut commencer le tournage. Allez, ma petite Sims, tu vas chanter ou danser ou je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Jouer une scène où le personnage raconte une blague. Allez, comme d'habitude, on fait les trucs risqués. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien jusqu'au jour où j'ai complètement foiré. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous faire cette fois-ci? Encore se déguiser en infirmière, bah ouais. Enfin, on dirait une pharmacienne. On dirait une pharmacienne comme ça. En plus, c'est des trucs de médicaments. Ok, est-ce qu'elle a réussi? Oui, j'ai l'impression que oui, parce qu'elle est bien décorée. Bonne onde. Ok, positive, ça m'a l'air plutôt pas mal. Oh, n'empêche, elle est trop belle. Elle est pas trop belle. Bah, ça va être Romaïssa. J'espère que tu vas guérir, moi, oui. Ça va. Et j'ai juste un rhume et un peu mal de gorge. Elle tourne dans Bones. Voilà, pour le moment, je crois qu'elle fait pas encore tout ce qui est film. En bas de l'échelle, on commence par les publicités. Mais j'espère plus tard qu'elle pourra jouer dans des séries, dans des films. Parce que sinon, c'est pas drôle. Soigner un patient risqué. Les têtes de drogués. Elle a l'air quand même bien... Elle est un petit peu jeune hein, pour être chirurgienne, je trouve. Putain, il a l'air saoulé, Gugus, en mode « Oh, t'es trop nulle comme actrice. » Et la fille, elle rigole. On a terminé. Déjà, hop. Quitter le travail plus tôt. On doit encore travailler. Ouais, non, on va laisser. On va aller piquer la pizza comme d'habitude, hein. Hop, on ouvre l'inventaire. Bam, on pique une pizza. Oh, c'est quoi ça? Pizza pepperoni, ça c'est au fromage. Et moi je veux... Bah, oh, chips et sauce mexicaine, on va prendre ça. Oh, bon, je vais arrêter, j'arrête d'abuser parce qu'après, de toute manière, ça sera gaspillé. Donc, voilà, on a réussi. Donc, Ariana a obtenu le niveau or. Donc, 450 simfous, c'est le max qu'on pouvait gagner pour la nourriture. Bah oui, comme d'hab, vous me connaissez. C'est dans la boîte, Ariana a terminé toutes ses scènes. L'équipe s'apprête à partir, les séquences vont être envoyées au montage. Donc maintenant, on a gagné de la notoriété, mais en plus de ça, de l'argent, on peut rentrer chez soi, puisqu'on a déjà piqué la bouffe. Mais c'est de la pizza magique qui pop. Bah oui, à chaque fois que tu prends un truc, c'est remplacé. Coucou les poupoutises. À chaque fois que tu prends un truc, c'est remplacé par une autre bouffe. Bon, Ariana, il pleut, il fait pas beau. Elle est où ta maison? Elle est là. La fille, elle lui cherche la maison. Elle est là, ta maison. Elle est là. Est-ce qu'on a assez d'argent, Miss Simflouz, pour acheter un ordinateur? Je pense que oui, parce que je crois que c'est 600 ou 900 Simflouz, l'ordi le moins cher. Mais est-ce qu'on a assez pour acheter un bureau? Parce que sinon, on va falloir le poser quelque part, quand même. Ok, non, mais c'est 800 Simflouz. Sinon, il y a la tablette, mais... Non, je vais pas tricher. Je vais pas prendre un truc de ouf.
Ok, on va commencer par celui-ci. Du coup, il me faut d'abord un bureau. Un bureau. Bureau pas cher, s'il vous plaît, hein, quand même. Je suis pas une blindée, moi. Attends, un truc de base du jeu. Quoi? Tu vas me dire, le bureau le moins cher que je puisse trouver, il coûte 300 simflouz, c'est une blague? Bon, je vais pas tricher en prenant des trucs à 1 simflouz, mais... Non, c'est une blague, 300 simflouz. Non, c'est une blague. It's a prank, c'est ça? Est-ce que je peux mettre le PC juste sur la table, là? Bah, on va le mettre sur la table pour le moment. On n'a pas de fric pour acheter... Oh mon dieu, mais ça coûte cher. Ah, on est devenu une vedette débutante. J'avais pas vu, mais on est devenu une vedette débutante, les gars. Une chaise aussi. Ouais, bah, si on a déjà pas assez d'argent pour le bureau, hein. Ariana a commencé son chemin vers la célébrité. Elle a obtenu son tout premier point de notoriété à conserver pour plus tard. Les points de notoriété permettent d'acheter des avantages de notoriété dans le panneau information sur la notoriété. Cela dit, avec cette nouvelle notoriété, elle est susceptible de développer une spécificité de notoriété. Je vais y arriver, beaucoup trop de mots. Merci ma fille, à bienvenue à toi. Il y a au moins 40 mots notoriété dans ce message. Une bizarrerie comportementale déterminée par ses actions. Ok, on a des factures. Ah merde, on n'a pas assez d'argent pour payer les factures. On a 48 heures pour payer 361 simflouz. Oh mon dieu, il faut que tu trouves un deuxième job, Ariana, je crois. Il faut que tu trouves un deuxième job, ça ne va plus. Oh mince, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent et qui reste crédible? Oh merde. Est-ce qu'on revend ça, du coup? Ouais, non, j'ai pas envie de le revendre. Voilà, acheter plus cher qu'on va le vendre. Oh merde, au pire c'est que j'ai tellement rien à vendre en plus. J'ai tellement rien à vendre. C'est vraiment la reste, hein. Triche, triche, triche. Non, je ne succomberai pas. J'ai le même casque que toi. Ah, toi aussi. On va prendre son corps en faisant du pole dance. On va aller faire du pole dance. Est-ce qu'elle joue de la guitare, Ariana? Autant des cailloux. Oh mon dieu, j'aime pas faire ça. Chercher des cailloux et tout. Attends, je peux pas vendre un caillou d'ailleurs. Bah tiens, on vend un caillou. On vend même deux cailloux. Tiens, on va vendre celui-ci. On vend des cailloux. Voilà. Voilà, on a vendu des cailloux, c'est super. On va pouvoir payer nos factures. D'ailleurs, on va les payer tout de suite avant. D'ailleurs, elle est où la boîte aux lettres? Boîte aux lettres, CVP. Ah, elle est là. Pourquoi elle est là? Faut que je la déplace, elle est pas bien ici. Ah mon dieu, c'est tellement la hesse. Et on va regarder un petit peu les points de notoriété. On est arrivé à une étoile. Et on a un point de notoriété. Avec le 1 point de notoriété, qu'est-ce qu'on peut faire? Je découvre, donc je ne connais pas trop. Avec le point de notoriété, on peut soit partenarier avec des entreprises, mettant une des vidéos pour monter. Alors ça non, parce que elle n'est pas youtubeuse, elle est plus chanteuse, actrice, on va dire, que youtubeuse, donc ça nous intéresse pas. Faciliter à se créer un réseau en développant les aptitudes sociales nécessaires pour côtoyer. En gros, c'est socialisation plus facile avec les Sims plus célèbres. Ariana pourra nouer des amitiés avec des Sims plus célèbres et utiliser son bagage, je sais pas comment on dit, pour passer rapidement du statut de connaissance à celui d'ami. Le talent d'Ariana pour élargir son réseau signifie également que toute interaction sociale avec une connaissance célèbre améliorera sa notoriété. Cette amélioration sera proportionnelle au niveau de la célébrité en question. C'est pas mal. Mordeur triche la gazelle. Je suis en train de créer sur les Sims. Ah bah faudra que tu me montres après. Prends celle de droite, c'est par rapport à son métier. Alors, on y arrive. Remarquable. Possibilité d'obtenir plus de notoriété grâce aux compétences et aux carrières. Ariana a quelque chose qui lui permet de se démarquer de la foule et de se faire remarquer par les autres Sims. En peaufinant cet aspect de sa personnalité, Ariana pourra attirer l'attention du public avec n'importe quelle action associée à une compétence ou une carrière et ainsi obtenir de la notoriété supplémentaire. Donc pour le moment je pense que la deuxième est aussi très intéressante, mais je pense qu'en priorité on va prendre celle-ci, ensuite peut-être qu'on reviendra là. Mais voilà, vu qu'elle est douée, on va prendre ça. Et ça c'est quoi? Emplacement de spécificité disponible, ce comportement d'une célébrité détermine les spécificités qu'elle développe. Ah ouais? Palais raffiné lorsqu'on a su ranger excusez-moi, ça fatigue, il me fait dire des conneries. Ok, on a pris ça, on a la première étoile, on est devenu une petite vedette débutante. Et ce qu'on va faire, bah, tout simplement, on va déjà commencer à s'inscrire. C'est quoi ça? Audition? Lundi? Je comprends plus rien à leur truc là. Pourquoi j'ai une audition? Ah! Je rêve, pourquoi cacher médian, c'est quoi ça, 1755 simflouz?
actrice de niveau 3, j'avais pas remarqué. Ariana s'est imposée comme une marque fiable. Elle est une porte-parole commerciale. Son agent peut lui envoyer plus d'auditions pour des séries diffusées aux heures creuses afin de faire avancer sa carrière. Mais du coup, ça commence quand? Parce qu'il dit lundi à 9h, mais non. Mais non. On va annuler l'audition. C'est un peu buggé, j'ai l'impression, quand même, leur truc, hein. Parce que je regarde déjà pas l'enlever, hein. C'est un petit peu... Ça bugouille un petit peu, leur truc, là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On a le PC. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le PC pour augmenter notre notoriété? Créer un profil sur les réseaux sociaux. Bah oui. Bah oui. On va créer notre petit profil. Quand même. Hein. Ce premier film d'Ariana s'appellera PTDR dès qu'il y a un 15L. Ariana a créé un nouveau profil sur un réseau social pour partager des informations. Ok. Mettre à jour. Vérifier le nombre total d'abonnés aussi, on va les vérifier. On a 116 abonnés. Bon, du tout, Ariana, c'est nul, hein. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour augmenter sa notoriété ou pas? J'ai l'impression que non. Ah, c'était quoi ça? Réserver une détox de célébrité? Caillou là à côté de la maison sans simpouze, moi je dis ouais, mais je vais pas abuser parce que sinon c'est limite chelou en fait qu'ils gagnent de l'argent en vendant des cailloux. Mais du coup, j'ai enlevé, j'ai acheté, enfin j'ai vendu juste ce qu'il fallait pour pouvoir quand même payer mes factures. Et merci pour le don. Que je sponsor dans la semaine, c'est sur MDR, t'inquiète mademoiselle. Fais des nudes. Ouais, mais t'imagines après quand elle sera célèbre, ces nudes qui vont ressortir, tu sais, de nulle part. Je suis en train de réfléchir pour sa carrière. J'ai envie d'aller dans un bar et d'utiliser le micro. On va juste... Bah d'ailleurs, attendez, j'ai oublié un truc, c'est de mettre la bouffe dans le frigo, sinon elle va moisir. Hop, on va prendre des restes et puis on va l'envoyer dans un bar. On va l'envoyer dans un bar pour qu'elle fasse des speeches, des sketchs et qu'elle gagne un petit peu d'argent. Je pense que c'est possible. En attendant, envoyez un message sur l'avis de votre performance dans leur publicité. Nous allons mettre à jour les modèles de prévision pour qu'ils prennent en compte ce résultat surprenant. Ok. Bon, ça n'a rien bougé ici. Souhaite venir passer du temps ici. Bah écoute, ok, vas-y, tu viens et après on va au bar. Hop, ça on jette ici. On va discuter. Oh, on peut devenir meilleure amie. Oula, toi par contre, je t'ai pas invitée, madame. Oh, mais c'est quoi cette madame? Elle vient et en plus, c'est pas la fille qui nous a. Qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Mais elle est sérieuse, la meuf? Je t'ai pas invitée, toi. Journée de réduction. Ah oui, c'est vrai, les réductions. Ah bah c'est pour ça que je pensais que le PC coûtait 900 simflouz. En fait, il y a une petite réduction dessus. Et il n'y a pas une fonction PTDR, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis choquée. Elle va faire la stripteaseuse. Mais non! Elle va pas faire du striptease. Elle va juste aller dans le bar pour faire des sketchs avec le micro, hein. Et pas faire du pole dance sur le micro, hein. Mesdames, elle nous pirate. Bah, ça se fait, elle nous pirater. Regardez, avec son air innocent. Oui, je suis une amie. Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien fait à ton PC. J'ai juste mis un virus. La meuf, aie pitié de moi. Je n'ai pas de fric, de toute manière. Tu veux me piquer quoi sur l'ordi? Bon, les filles, on bouge au bar. Allez, les meufs. On va au bar. Quand tu as téléchargé les Sims 4, tu as reçu l'email Origin instantanément? Bah d'abord tu crées ton compte Origin et après tu mets les Sims 4 dessus. Sur Silver, la madame, un petit peu, ça fait blond vert, ouais j'ai l'impression. Alors on va aller dans Studio VP, l'endroit où il faut être et celui-là, futur point d'intérêt. On va aller là, les meufs. Attends, je vais prendre elle et je vais prendre elle parce que je veux pas qu'elle reste chez moi toute seule. Je préfère qu'elle vienne avec nous. Quels seront les prochains personnages? Ah ah! Bon, le bar, le jour où tout a basculé avec Ariana, la pauvre d'ailleurs, elle n'est toujours pas actrice, c'est dommage. Bon, vrai que tu te mets au travail, non? Ou à la rue, tu as le choix. Bah là, c'est plus parti pour qu'elle finisse à la rue qu'au travail. C'est vrai que ça met un petit peu de temps à se développer. Voilà, j'adore la miniature. Merci Lina, coucou Anana, ça va et toi? Ça met un petit peu de temps à se développer cette carrière quand même. Mais ça rapporte quand même pas mal, je trouve. Ouais, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ariana, Grande, j'ai besoin d'argent, pouvez-vous s'il vous plaît me faire des dons? Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a un micro? Normalement, oui, il y a tout le temps des micros dans les bars. Oui, là. Est-ce qu'elle a assez aussi pour...
S'entraîner à chanter. Parfait, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle puisse gagner de l'argent ou des pourboires avec ça, mais si elle peut déjà... Oh mon dieu. On dirait qu'elle est en train d'agoniser. Oh mon dieu. Do, do, re, mi, la, la. On va s'éloigner un petit peu. Ah, les gars. Et merci Miss Lady, bienvenue à toi. Ah si, j'ai gagné de l'argent, 2 simflouzes, on a gagné 4 simflouzes les gars. On a gagné 4 simflouzes. C'est sûr qu'elle va réussir dans la chanson, je commence à avoir un petit doute quand même hein. 2 simflouzes encore, ça fait 6 simflouzes. Bon les gars, arrêtez de faire les radins là et donnez-moi un peu plus d'argent s'il vous plaît là. Oh mon dieu, elle chante encore plus mal que moi. Oui, éloignons-nous, oui, pour l'entendre un petit peu moins. Allez, 4 simflouzes, c'est déjà mieux, merci madame. Merci. Alors je dis pas qu'elle chante mal, hein, mais youtubeuse make-up, c'est pas mal aussi. Mais c'est pour Arlélélé, la youtubeuse make-up. C'est pour Arlélélé. Elle chante comme toi. Oh bah merci. Et merci pour le don, vas-y Mistral. Elle chante comme moi sous la douche. Et merci Sarah, bienvenue à toi. Bon bah intéressez-vous à moi, bah ça y est, il y a Brad Pitt qui est rentré, il y a plus personne qui s'intéresse à moi. Merci beaucoup. Je suis là les gars, je chante super bien. Ah voilà, merci monsieur. Merci pour les 4 simflouzes, merci beaucoup. En vrai, 4 simflouzes, 4€, 4€ égale un happy meal quand même, si ça se tient bien. Ah, je veux dire qu'ils me donnent des dons pour qu'elle se taise. Ou juste parce qu'ils ont pitié en fait. Et bon, en attendant, je gagne quand même de l'argent et ça augmente le champ parce que là, ça n'allait plus. Et la notoriété, d'ailleurs. La notoriété qui augmente quasiment presque pas parce que je ne vois pas grand-chose de monter dans la notoriété, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, je vais m'éloigner, ça ne va plus, j'ai plus entendu. Tout le monde s'en fout. Ouais, mais c'est à cause de Brad Pitt, là, il est rentré puis il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi. J'ai essayé de devenir amie avec lui, je peux pas, je crois, encore. Hein. Tenter de se présenter. Bon, allez, on va lui parler un petit peu en faire la pause du chant. On va essayer de un petit peu gratter l'influence. Demander un selfie. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Demander une accolade. Mais... Lui s'est évanoui, fan. C'est un ado fan. Allez. Allez, selfie. On a pris un selfie avec une star. Ok, ok, Vanessa. Ok. Les oreilles vont exploser. Yibs, sweetie. You're a big zarknob. Niafloof. Wadisa. Je peux pas encore devenir amie avec. Bon, après ça, on va aller au pipi room parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse évoluer. Il est où le pipi room? Il est... Oh merde, il est en haut. Et après, on va essayer de reprendre un petit peu la musique. Faire un sketch. Les sketchs doivent être écrits. Ok. Fais-lui les poches tant qu'il est KO. Oh, mais c'est pas gentil. En plus, c'est un adolescent, le pauvre. Il doit pas avoir grand chose, quoi. Le pauvre. On va pas le racketter quand même. Et merci pour le don. Qui va acheter le droit d'auteur de cette musique? Moi j'ai l'impression qu'il y a personne. Yes! 4 simflouzes. Yes! 4. Oh regardez, 8! 12 simflouzes. Donnez-moi de l'argent! Je suis pauvre. Mais elle est pas allée aux toilettes? Ah, c'était les toilettes pour hommes en haut peut-être, je sais pas. On va lui demander de rentrer parce qu'elle va terriblement mal. Non, je vais laisser le jour férié. Ça change pas grand chose à ma vie, mais. Oh, elle est dans sa belle tenue, j'adore. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une piscine, ça. Parce que c'est bleu. Mais c'est pas du tout une piscine. Ok, on va peut-être économiser l'argent. On va mettre les éclairages automatiques. Hein, parce que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai payé cher la facture. Hein. À force que ce soit toujours allumé. On peut utiliser le nom. On peut pas interagir avec les petites voitures. Alors, on va rentrer au pipi room. Et on va peut-être voir pour le travail. Qu'est-ce que ça... Mais voyez, regardez, ça marque toujours.
Visiter Moustalé commence à 9h lundi. Ouais, moi en attendant, je fais quoi? Hein? Prendre des restes? Voilà ce que je fais, je prends des restes, c'est ça? Falaise, tu m'étonnes, en chantant comme ça, RL, tu deviens un mème. Je fais mon présent, mais il n'y a pas de souci, Nono. Je pense que ce n'est pas sa voix qui l'a fait être populaire, hein. Bah, c'est dans Disney, elle est devenue populaire. Chante comme une larve en train de muer. Hamda. Dire que tu fais un rituel satanique. Voilà, bien dormi. Regardez là, je comprends pas. Regardez, c'est comme si c'était bloqué. Enfin, je sais pas si c'est normal. Je pense pas que ce soit normal. Je sais pas du tout si c'est normal. Comment enlever la nourriture gâtée. Prendre des restes. La petite pizza. En vrai, ça me fait rire quand elle chantait, on dirait le grognard dans Halo 5. Qui faisait un rituel satanique, hein, peut-être. Hein. De quoi? Rappel de l'agence des recrutements. Nos systèmes ont signalé que vous étiez une actrice fauchée. Faites des contrats pour avoir de quoi vivre. Bah, j'aimerais bien, mais si ton truc il buguait pas, espèce de truc électronique, bah peut-être que je pourrais le faire. Hein. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est. On va revenir comme ça, sauvegarder et quitter. On va revenir dedans parce que j'ai l'impression que ça a bugué. Je suis pas sûre. Peut-être c'est moi qui fais un truc pas bien. Pipi room, exactement. Coucou Marine! Tu aimes les Big Mac, mais c'est trop bien les Big Mac. Faut aller sur l'ordi pour l'enlever. Ah, merci princesse du cœur. Je vais essayer. S'il y est toujours, je vais essayer. Et le limo. En même temps, avec un ordi Windows XP 98 des années 40. Au premier champ, les gars de l'agence, bah ouais. Vous voyez, regardez, il est toujours. Ah, vous m'aviez dit sur l'ordi dans Comédie. Non, pas dans Comédie. Merci Maël, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. A mis son adresse mail pour qu'il envoie un email pour pouvoir jouer aux Sims, mais ma mère ne reçoit rien. Ça fait 2 heures qu'on attend. Mais vous avez acheté les Sims où? Coucou Margot! Quelle méchanceté. C'est comme les Mac First Poulet. What? Anna, tais-toi si tu n'es pas le talent, tu te tais, ça fait mal aux oreilles. C'est un Minitel. Arrêtez de vous foutre de sa gueule. Elle fait comme elle peut, hein. Et puis toi, Ruby, t'étais pas bien placée hein, pour parler de son ordinateur, hein. Alors, attendez. Plus de choix, peut-être? Carrière? Chercher des contrats? Attends, il y avait un autre choix aussi, c'était quoi? Engager une nouvelle agence d'acteurs. Sélectionner une audition. Ok, on peut choisir une audition au moins ici. Alors, une audition qui fait gagner un peu plus d'argent. Est-ce possible? Ah, bonjour 475 simflouz à 1300 simflouz. De 455 à 1250. Bon, là, il y a les trucs un peu moins. Mais par contre, là, il va falloir soit apprendre à faire de la guitare, soit de la fitness. Alors moi, je sais pas si vous m'aviez répondu tout à l'heure pour si elle faisait de la guitare ou pas, Rihanna. Moi, j'ai pas l'impression, j'ai jamais vu faire de la guitare. Donc on va peut-être plus se tourner vers le fitness vu qu'elle est assez fit girl. On va peut-être partir sur le fitness. Et ça gagne 50 simflouz de plus quand même. Donc il faut avoir niveau 3 de la compétence fitness. C'est parti. Alors, fitness, elle a combien? Dis-moi que t'as un petit peu de fitness, s'il te plaît. Oh mon dieu, elle a que dalle. Elle a que dalle. Bon bah je pense que ça va être journée à la salle de sport. On va aller à la salle de sport. On va aller à la salle de sport, on va y remédier les gars. Mon ordi arrive, la poste doit se dépêcher. Mais je peux encore te narguer en attendant. Allez, salle de sport des pectoraux. On va y aller. Bah on va y aller solo pour une fois, pour changer. Pole dance. Faire des lives me remonte le moral, mais y a pas de soucis, t'inquiète. Bonsoir Inès, comment vas-tu? On est fauché. Oui, on est fauché, exactement. Surtout que ça coûte rien, le fitness, on peut aller gratis à la salle, exactement. J'y pensais pas au début, j'arrivais pas, j'y pensais jamais, mais en fait, ben, bien sûr que si. Et pour le fitness, on va monter, on va aller faire du tapis, entraînement. Là, Vanessa s'est demandé si je voulais lui rendre visite. Ah bah non, si tu veux, tu peux venir à la salle de sport, mais. Ok, on va suivre, on va voir si elle a la motivation. On a. Il faut qu'on monte niveau 3 fitness avant demain, mais le pire, c'est que ce serait bien de monter plus que niveau 3 pour avoir des chances déjà de réussir l'audition. Parce que voilà, monter niveau 3, c'est bien, réussir l'audition, c'est mieux quand même.
Ah, des beaux garçons. Bah, monsieur, il est gay. Hein. C'est monsieur Brent avec Brant. Brant et Brent, ils sont gays. Donc, oui, je sais, je me rappelle un jour où j'ai fait un bébé avec lui dans le 100 bébés challenge. Il y a tout le monde qui m'a dit: oui, mais il est gay avec Brent. Tu as cassé son couple. Et là, j'étais en mode: ah merde. Excuse me. Je me disais bien, il a les cheveux roses, ça doit être une célébrité. Et que les célébrités pour avoir les cheveux roses, hein. Il dit sport, il y a Ariana, courage. Ouais, non mais elle y arrivera jamais, hein. Elle est seulement à 1,5, elle est déjà au bout de sa vie, quoi. Elle est au bout du bout de sa vie, quoi. Je sais pas si on va réussir. J'espère. 3, je pense qu'on peut, mais plus, je sais pas. On dirait, je tac, y'a quoi pour Vyashmi, lol, shop, inachai, tchirkoram, espoui, polski, inzek. Oui, c'est ma langue natale, le polonais. Vu que je suis fauchée, hein, je vais venir t'embêter sur tes lives et vous lire spammer de messages en vengeance. Merci Nono. Ah bah oui, bah c'est le pull de la quinzaine, hein, celui de ma boutique. Enfin, faire genre, je m'étire pour vous montrer l'étendue de cette beauté. J'ai les cheveux roses, L'Oréal, parce que je le vois bien. Bon, ça le fait pas aussi bien que dans les pubs, j'aurais essayé. Bon, on va aller faire pause pipi, c'est ça? Petite pause pipi, mais après on y revient. Oh, est-ce que ça augmente le fitness de faire du yoga? Quoi, on peut pas? C'est quoi? C'est pas des tapis de yoga? Si, c'est des tapis de yoga normalement ici. Peut-être qu'il faut ramener son propre tapis, je sais pas. Faudrait que je me achète un tapis par la suite et que je l'emmène à la salle de sport, ça pourrait être stylé. On avait dit qu'au pipi, je pense que chez les femmes c'est ce côté-là vu qu'il y a une madame. On va descendre en bas. Est-ce qu'il y a un truc à bouffer dans le coin ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on puisse bouffer dans le coin. En même temps, on est dans une salle de sport, mais bon. Hein, on sait jamais, il aurait pu y avoir des shakers, des mi-shakes de protéines ou je ne sais quoi. Mais non. Mais non. Alors, on va repousser les limites après. Faut au moins qu'elle soit niveau 3 minimum. Oui, je sais, tu es fatiguée. Mais faut, quand il faut y aller, faut y aller. C'est des tapis de douche. Ouais, j'ai l'impression. En fait, ça faisait genre salle de fitness, enfin salle de yoga quoi. Ah, du coup, elle veut plus parce qu'elle est trop fatiguée pour faire de l'exercice. Ok, bon, on va la faire rentrer. Mais ce n'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On va manger de la pizza, ça va la repousser. Oh, le machin, c'est trop pas la logique. Tu prends de la pizza, tu manges de la pizza et après tu vas faire du fitness quoi. Oh mon dieu. Ok, va manger ton bout de pizza, t'auras plein de force après. Au pire, on peut faire des abdos et ce genre de choses, non, ici? Y'a possibilité, quand même. Aller courir ou pousser ses limites. C'est quoi ça? Pleurer sur demande? S'entraîner à chanter, chanter une chanson. Allez, va repousser tes limites. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Salle de riche, lol. Je suis en train, j'ai que 16 ans. Bah, après, il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, j'aime mieux, je mange une pizza et je fais du fitness dans ma tête. Oh mon dieu, elle pue. Allez, à la douche. Je crois qu'on n'est même pas niveau 3. Mais si on, elle peut se reposer et que, vu que l'audition commence à midi, je crois. Attends, déjà, on va mettre les petits. Tiens, on va mettre dans sa chambre les autographes. Ah, toi, t'as carrément 2 autographes. On sent la méga grosse fan du monsieur Brad Pitt, là. Mais vu que l'audition elle commence à midi ou à 13h. Mais pourquoi ça me montre toujours ça? Pourquoi ça me montre toujours ça? Je comprends pas. Bon. On espère que ça me mettra l'autre parce que du coup je ne sais plus. Demain j'ai sport en première heure et je suis malade. Ah mince. Va te laver, tu pues. Ah bah merci. Ah bah merci. Mais il me semble que c'était midi ou 13h, hein, l'audition. C'est vrai qu'on peut pirater un compte Discord. Bah, tout est piratable, hein, dans la vie. Le portrait au-dessus de Judy, je vais faire pareil. Allez, prendre une photo de Pipu 15 à l'essence. Que t'avais les cheveux roses, violets et bleu foncé, prout. Voilà, prout. On va prendre des restes. On va aller au pipi room. Et puis après, on va bouger à la salle de sport, ok? Oula, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jour de la loterie. Comment que ça marche, la loterie? Ariana adore cette tradition. Une grande loterie a lieu et le jackpot est trop tentant pour ne pas participer. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Le tirage a lieu demain matin. Alors veuillez acheter votre ticket aujourd'hui. Ok, on peut l'acheter par téléphone ou par ordinateur. Sans simflouze, c'est tout pile l'argent qu'on a.
Est-ce qu'on est des fous et on l'achète ce ticket de loterie à 100 simflouzes, sachant qu'après on a zéro? Et je ne sais absolument pas ce qu'on peut gagner à la loterie. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Coucou Chamallow. J'ai été collé, il reste encore une heure cette semaine. Ah bah mince. Tu vas gagner une salière. Oui, oui. Franchement, non. Oui. On est des fous, oui. Oui, on est des fous. Non. On est des fous, non, oui. Oui, fauchons-nous, oui. Non, on l'achète. Ok, vous êtes quand même plus à le pouvoir, même s'il y a quand même des réticents qui... Tu vois, il y en a qui se disent, ah, je veux quand même qu'elle réussisse sa vie, hein. Allez, achète ton truc, t'auras pas de divertissement, mais après... Oh mon dieu. Voilà, et elle est contente, regardez, elle est ouh, inspirée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la salle de sport jusqu'au moment où elle devra aller à l'audition pour tenter au moins le niveau 3 en fitness, même si ça va être un petit peu compliqué parce que c'est mieux toujours d'avoir plus. J'ai un petit peu peur pour mon avenir là, je dois vous avouer. On va courir. Allez, va courir. Ah là là. Pire, tu donnes ton caillou contre le billet. Bah là, genre, on est à 0, 0 de chez 0 Simflouz, quoi. Ok. Quoi, on est seulement niveau 2? Je pensais qu'on était niveau 3. Oh merde, on va jamais y arriver, les gars. On va jamais y arriver. Impossible qu'on soit niveau 3 de fitness pour l'audition, quoi. Oh merde. Oh merde. Donc c'est quoi Heure de Gloire? Parce que je vais commencer ici, mais si je regarde un petit peu dessus, mais je vois tout le temps Heure de Gloire. Parce que Heure de Gloire, c'est le dernier add-on qui est sorti sur les Sims 4. Où on peut devenir célèbre, faire des auditions, être youtubeur, mais en plus, parce que youtubeur, ça existait déjà dans un autre pack, mais là, c'est encore plus amélioré, je trouve. Je dirais mon compte en banque. Pas qu'il y ait quelqu'un dans le célèbre pack. Non, je ne peux pas, là, malheureusement, je ne peux pas. Allez, repousse tes limites. Je ne sais pas si on va y arriver. Bientôt, on va recevoir sûrement la notification qui nous dit qu'on doit bientôt aller au boulot. Oh, quoique, on est à la moitié. On est à la moitié. Ah, dans une heure. Dans une heure, l'audition. Mais pourquoi ça me laisse celui-ci? Je veux voir l'autre audition, moi. C'est quoi ce bordel, là? Bon, bah, je crois que ça va être raté parce qu'elle n'est pas niveau 3. Ah, c'est niveau 2 de la... Mais non, c'est niveau 3. C'est juste que ça me montre l'ancien. Remise, là, je fais mes ongles. Ouais, elle est partie. Bon, bah, c'est foiré cette audition, je crois. Et on a plus d'argent. On a donné 100 derniers Simflouz à la loterie. On adore. Ça commence à midi. Elle est pas là. Oh mon dieu, ça pue. Hein. Ça pue, mais terrible. Oh, bah, c'est foiré. C'est sûr que c'est foiré. Oh, audition réussie! Comment on a pu réussir? Et bon dieu, qu'est-ce que. Comment elle a pu réussir? Elle pue? Elle était en chaussette bizarre. Dommage que j'ai pas mis sur pause. Mais elle était... Oh mon dieu. Allez, va prendre une douche. J'ai pas compris comment elle a fait pour réussir. Ça c'est le talent. Ça, c'est le talent. J'étais sûre qu'elle allait réussir. Hein. À aucun moment, je n'ai douté de sa capacité à réussir cette audition. Jamais de la vie, je n'ai douté. Allez, la grande. Fauché, bonjour. Mais pas pour longtemps, si on gagne plus de Miss Simflouz en faisant cette audition. Développer la compétence jeu d'acteur. Développer la compétence fitness. Ok, mais d'abord, on va développer la compétence je sens bon. En faisant la petite douche. Ah, pour le jeu d'acteur, on peut regarder la télé, je crois. Non, c'est sur le miroir, je crois. Bravo, merci, merci. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on a réussi et c'est cool. Vous avez vu les fleurs commencent à venir, on est bientôt l'été. Elle ne peut pas être infiltrée dans un trafic de drogue. C'est pas un petit peu son travail, là. Ramasse les cailloux pour la monnaie. Oh, merci, Ruby. C'est gentil. Merci pour le sponsoring. Chez New Coke, mes créateurs n'ont pas pensé à laisser un trou pour cracher les écouteurs et le chargeur. Ah, c'est que t'as pas dû prendre la bonne coque qui correspond à ton téléphone. En tout cas, merci, Ruby. Bon, on attend que ça s'en fiche, mais je te fais un cœur. Merci beaucoup. Ah, voilà. On dab. Ouais, que je fasse limite un emoji dab en vrai. Comme ça, on pourra faire l'emoji. Enfin, les sponsors, du coup, pourraient seulement le faire. Mais voilà, le petit dab pour tous les petits dons et pour tous les petits sponsors.
Dab. Waouh, oui. Voilà, t'as le petit logo maintenant. Et merci Nadia, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et tiens, si on faisait peut-être des BD ce soir, sur cette chaîne, peut-être. Je sais pas, je vais réfléchir. Ça va et toi Nadia? Je suis famous. Premier ami, c'est quoi? Le réalisateur est votre meilleur ami et si ce n'est pas le cas, bonne chance! Oh mon dieu! Donc ça, on a terminé. Elle a vraiment besoin de divertissement. Regardez la chaîne. Est-ce qu'on peut regarder une chaîne de fitness peut-être? Ah, regardez du sport. Si on regarde le sport, est-ce que ça augmente? Non, j'ai pas l'impression que ça augmente. Mais bon, on va essayer quand même regarder hein, pour le divertissement quand même. Et c'est quand qu'elle commence l'audition? Enfin, c'est... commence jeudi. On est mercredi. Ah, donc on a toute la journée encore le lendemain, donc ça va. Ça va. Oui, pour du DBD, ouais. En fait, je fais jamais de live DBD parce que je suis toujours sur les lives des autres. Mais je me suis dit, pourquoi pas ce soir, un petit DBD de mon côté. Comment tu fais ton espèce de smiley sur ton pseudo de ta chaîne principale? Bah, un copier-coller. Voilà. Alors, petite pause pipi. Elle a besoin de social maintenant. Hop, ici. Enlever la nourriture gâtée. Aller dormir. Mes miniatures, je les crée sur Photofiltre Studio X. Je sais qu'il faut que je passe sur Photoshop. À un moment donné, il va falloir que je m'entraîne. En plus, j'ai enregistré un petit tuto de miniature de Johanna. Il faut que j'apprenne maintenant à le faire de mon côté. Et du coup, faut que je le fasse. Mais je trouve jamais le temps, en fait. Technique du copier-coller, nul. Bah oui, mais bon, moi à la base, quand je cherchais le qu'est-ce que j'allais mettre à côté de mon pseudo, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les symboles sur internet et j'ai copié-collé. Je ne sais pas faire mon propre symbole toute seule sans faire un copier-coller. Re-chocolaté. Quand tu refais du Pokémon, je vais revoir Dabizor, ou sûrement dans la semaine, hein, à coup sûr. À coup sûr, c'est sûr. Ok, oh non, t'as cassé tes chiottes. Est-ce qu'on a le temps de les réparer? Oui, on a le temps de les réparer. On n'a pas d'argent pour payer un réparateur. Par contre, ça a donné quoi le ticket là? C'est quand qu'on a les résultats? Je pense peut-être que ce serait plus à partir de 8h les résultats pour savoir ce qu'on a gagné là. Ça se trouve, on n'a rien gagné du tout, mais on sait jamais. En même temps, à part si t'as un clavier japonais, c'est hard. Ouais, aussi. Ok, ça c'est... Ok, ça c'est ça. Et bah du coup, on va aller à la salle de sport. En même temps, ça nous augmentera notre social. Parce qu'on n'a pas d'amis. Hein. Ah si, ça va, franchement. On a quand même pas mal d'amis, en fait. Hein. Parce qu'on est quand même... Voilà, d'ailleurs, tiens, on va inviter Vanessa, notre meilleure pote. J'ai envie d'inviter Candy aussi. J'aime bien les gens avec les cheveux colorés. Coucou, je viens d'arriver, il y a quoi? Coucou Ider. Bah écoute, on est avec la petite Ariana et on est en PLS parce qu'on a zéro simflouze, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok, venez les... Oh, j'adore comment elle est habillée. Hein? J'adore ta tenue, meuf. On va aller faire du sport, les meufs. Viens, venez, on va faire un petit entraînement ensemble. Je sais pas si elles vont parler, je pense que si. Pendant l'entraînement. Coucou Pierrot, ça va et toi Marine? Reçu Miss Arianator. La notification est déjà passée. Ah, bah je suppose qu'on a rien gagné. Était une réussite. Ariana a passé un merveilleux moment et a pu faire tout ce qu'elle avait prévu. Ouais, mais ça n'a pas dit ce qu'on a gagné en achetant le ticket. Ça nous a rien dit. Ça nous aurait dit au moins si on aurait perdu ou si on a gagné quelque chose. Ah, ça augmente le divertissement au moins. Et là, au niveau du travail, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait, mais tant qu'à faire, on va augmenter un petit peu. Hein. Inviter le réalisateur et les co-vedettes, on peut les inviter. Est-ce qu'on les inviterait pas à la maison quand on rentre avant d'aller à l'audition pour un peu faire la faillotte? On sait jamais, non? Dragla. Hey Miraculous. Regarde ton inventaire, c'était de l'arnaque. Ah, c'est bon, les résultats. L'heureux gagnant de la loterie est Vanessa. Oh, Vanessa, rends-moi mon argent. Bonne chance à elle pour gérer tout cet argent. Il est peut-être temps pour elle de démissionner ou d'arrêter de chercher un travail, en tout cas avec un gain aussi important, à l'aise de voir toutes les sortes de prétendants et cousins éloignés rappliqués. Bon bah, on n'a rien gagné du tout. Hein. On aura essayé, mais c'est notre pote Vanessa. C'est qui la star, là? C'est elle, la star? Octavia Moon?
Arrêtez de me voler la vedette, wesh, c'est moi la star. C'est Ariana Grande. Je suis Ariana Grande, respectez-moi. Bon, on va retourner à la maison parce que là on est déprimé parce qu'on a perdu la loterie, que personne nous calcule à part madame qui est venue, mais je pense qu'elle voulait juste qu'on lui rende sa machine. C'est tout, hein. On va rentrer dans la plus grande des tristesses. Oh, merci Echo. Rebonsoir, bonsoir, comment ça va? Je fais mousse, moi, t'as mis, sort, du coup t'es Hermione, what? J'ai le sponsor, oui, merci Chico. T'as vu, on dirait un boss d'arène de Pokémon, lol. Et merci Chico Miné, fais le dab, merci beaucoup pour le sponsor ici, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on va inviter les gens à venir. On va inviter le réalisateur et les co-vedettes pour essayer de gagner un max d'argent après l'audition. On va faire ça. Ok, ça c'est qui? C'est lui le réalisateur, vous pensez? Présentation chaleureuse, bien évidemment. On fait comme chez toi, tout ça, tout ça. C'est peut-être elle en fait. On sait pas qui est qui. Qui est l'acteur, qui est le réalisateur, qui est quoi? On sait pas trop. Avec la madame aussi, présentation chaleureuse, forcément. Enjôleur! Oh mon dieu! Non, monsieur, c'est pas ce que vous pensez, hein. Je veux ce job, mais pas à ce point-là, les gars. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Meuf, à côté de la plaque, j'avais pas vu que j'étais boss. Ah! Bah, GG, ouais. Mais même moi, tu me le dis maintenant. Et oui. Ouais, je pense que c'est à cause du sponsor. Quand t'es devenu sponsor, t'as dû prendre la place. Bah, GG à toi, hein. Direct, elle vole le PC. Mais c'est ça le problème des Sims, c'est que les invités vont H24 sur les ordinateurs des autres. Allez, on va discuter du travail, hein. Ça me dit pas, monsieur, je veux bien. La tête 3, kamikaze, oui, tu étais. Oh mon dieu, mais comment ça se fait que... Oh mon dieu, mais c'est 100... Les gens, ils perdent 100 HP par euro dedans. Bah dis donc. Bah, il y a encore, en tout cas. Tu t'es fail. Dame moi, je suis boss, je crache du feu comme Bowser. Nah, t'as modifié le boss. Bah non, j'ai rien changé en fait depuis le début de cette chaîne là, c'est le boss est toujours pareil. Mais faut que je le modifie là, ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai rien modifié du tout encore. Nistrad, il est méchant avec moi. On va discuter avec eux. Conversation profonde. Faire connaissance avec la madame aussi. Hein. Parler de la température fraîche. Parler du temps ensoleillé. Discuter de la paix dans le monde, bien évidemment. Tu étais désolé pour ce fail. Ah bah voilà. Vous n'avez rien vu. Mais de toute manière, il va falloir que je change ça parce que j'ai pas remarqué. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Le boss il change tout le temps sur cette chaîne alors que pas sur l'autre. On va voir que je change ça. Mais merci beaucoup pour les dons et bah GG à toi Sinistral, le tour de Sinistral. M'en fous, je vais avoir ma paix bientôt, mais non, gardez votre argent, voyons. Alors, on va flatter, discuter des centres d'intérêt. Et merci chacun, bienvenue à toi, merci beaucoup. J'ai jamais eu boss. Par contre, quand quelqu'un s'abonne, ça fait perdre que 5 points de vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est normal. Ça change tout le temps, ouais. J'ai dit la boss qui a disparu le plus rapidement possible. Mais c'est quoi le boss? En fait, c'est la personne qui est juste au-dessus de moi. Et en fait, elle perd des points de vie à chaque fois que quelqu'un s'abonne, qui fait un don ou qui devient sponsor. Et la personne qui finit le boss prend sa place. On va peut-être bouffer un coup avant d'aller travailler, hein. Prendre des restes. C'est très bizarre d'inviter quand même les gens et de manger devant eux et pas leur proposer. Ok, ils ont dû partir, c'est pas grave, on a bien fait connaissance. On va aller à l'audition, je pense, pour finir le petit let's play avec Ariana, parce que j'ai vraiment envie de savoir si on va avoir assez d'argent, parce que là, si on finit avec 0 simflouz en fin de partie, j'aurai l'impression de ne pas du tout avoir évolué, même si on a quand même investi dans un ordinateur, qui coûte quand même un certain montant, quand même, c'est pas gratuit. On va augmenter, mettre à jour votre statut. Nice, allez. Hop. Ça nous fait gagner 20 abonnés à chaque fois. Aussi, j'aimerais bien mettre à jour H24 mon statut et H24 gagner des abonnés comme ça, ce serait trop simple, mais bon. Hop là. On va bientôt commencer.
Non, je peux pas te rendre visite, Vanessa. On va partir au taf, les gars. Bon, j'ai hâte de savoir si c'est un petit peu évolué au niveau du travail. D'ailleurs, je n'ai pas trop regardé ce que c'était. Aventure dans la mer morte. Aventure dans la mer noire. Dans la mer morte. De la mer de la muerte. Et c'est quoi le but qu'il va falloir faire? Bah, de toute façon, on va la rejoindre. Mais est-ce que c'est un truc nouveau ou c'est toujours une pub? Ou est-ce que c'est genre un petit rôle secondaire ou... Renina. On va aller voir ça ensemble. Tu es de nationalité polonaise ou tu es bilingue, tu parles couramment? Oui, la première langue que j'ai appris était le polonais. Parce que mes parents étaient immigrés polonais, en fait. Alors, on va faire quoi? Alors là, c'est un petit peu toujours le même topo, c'est assez répétitif. Mais là, je vois une différence. On va plus faire de la publicité, les gars. On rentre dans la cour des grands. On va commencer à tourner, je ne sais pas. Hein, on va être figurant dans un film ou dans une série, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on va essayer de bien faire les choses. Bien évidemment. Ah, il y a notre copine, la maquilleuse Laura, là, qui nous a mis le virus sur l'ordinateur. Alors, raconter des radeaux. Ah, on peut faire un truc, jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires. Mais c'est quoi ça? Non, on va peut-être pas faire ça maintenant. C'est pas le moment. Mais c'est bon à savoir. Raconter des ragots. C'est où raconter des ragots? Moi, je vais raconter des ragots, voilà. Parfait. Oh, regardez la coupe, j'adore. Elle est trop belle. C'est magnifique, ma chérie. Magnifique. Tu m'apprendras le polonais. complimenter un sim sur le plateau. Complimenter, complimenter. Vas-y, complimente. Complimenter la tenue. Ensuite, on va mettre le costume. Répéter la scène avec la co-vedette. C'est qui la co-vedette? Allô? Bonjour? C'est qui la co-vedette? C'est lui. Je pense que c'est lui. Non, c'est un figurant. Je connais une bonne banquière pour Ariana. Elle va l'adorer. Ouais, non. Je pense que pour l'instant, c'est un petit peu... personne n'a envie d'avoir Ariana à sa banque. Mais peut-être plus tard, oui, elle va l'adorer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et merci pour le don. Attendez, le costume est magnifique aussi. Bon, dommage qu'on voit un petit peu moins la coupe. Parce que franchement, la coupe, elle est super belle. Mais là, c'est très très beau. Donc, répétez la scène avec la co-vedette. Il faut qu'on trouve la co-vedette. Est-ce que c'est... Non, c'est pas toi, quand même. Et c'est quoi? C'est un zombie? C'est censé être un zombie? C'est quoi? Où est la co-vedette? Est-ce qu'elle... Oh, co-vedette. Oh, il est... Ouh. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Allez, on va se présenter quand même. Parce qu'il faut qu'on répète la scène avec lui. Présentation chaleureuse. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Ariana. Oui, tu te présentes. Vous faites quoi? Bonjour, oui. Oui, d'accord. Elle a bloqué. J'arrive pas à me présenter. Ah! Répétez la scène. Et on répète la scène ensemble. Oui, parfait. On répète ensemble. Avec la co-vedette. C'est parfait. Faire connaissance avec quelqu'un sur le plateau. Bon, on va faire tiens, tant qu'à faire. Hein. On va faire connaissance avec lui. Hein. Bah oui. Faire connaissance. Voilà. Par contre, monsieur, c'est pas que je vous ai pas invité. Mais si vous pouviez nous laisser seuls. C'est que c'est un cadreur de caméra. Et tu lui dis ça et après il va te cadrer, genre il va pas te cadrer du tout. Bizarre la co-vedette. Ah bah non, moi j'aime bien. J'aime bien. D'ailleurs, c'est vrai, c'est assez nouveau ça dans Heure de Gloire, les cicatrices et tout sur le visage. Ça vient avec Heure de Gloire, donc c'est cool. Réalisateur, que le tournage peut commencer. Ok, on va commencer le tournage quand même. J'essaie quand même de faire les choses bien pour gagner un max de blé, un maximum d'argent. Parce que sinon, c'est la merde. Ah, c'était la madame. Moi, je croyais que c'était le monsieur. D'ailleurs, du coup, le monsieur, c'est quoi? Ça doit être le co-réalisateur, le monsieur. Il est où, le co-réalisateur? En plus, elle commence à être fatiguée. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Alors, déjà, lui, il me fait rigoler. Hein, Rieko? Elle est tout le temps là, en plus. Mais lui, alors là, monsieur Poulet. Pourquoi pas, monsieur Poulet? Avec sa fille, c'est la marque de bondage au visage ou c'est moi? Ouais, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est certaines coupes qui bug et qui font ça. Donc, jouer une scène où le personnage se dirige. Allez, combattre à l'épée risquée.
Allez, tu peux le faire. Par contre, elle est fatiguée, j'ai peur qu'elle foire. Thank you. Ok. Eh ouais. Flirter, risqué. Chives. Action. Oh mon dieu. Ariana, qu'est-ce que tu fais? Yaba Rumanza. Stylé. Très stylé. C'est bon, c'est fini? Ok, c'est fini. Et ensuite ici, mordre. Mordre! Pourquoi mordre? Quoi, si c'est un truc de pirate vampire? Ah oui, c'est comme les vampires, vous savez, quand ils hypnotisent. Ok, c'est une scène de pirate vampire. Ok, je vois une scène où personne se dirige vers le bateau. C'est quoi? C'est où la scène? Ah, c'est là. Je fais tout en risqué à chaque fois. Je sais pas ce que ça change en vrai, parce que j'ai l'impression que ça réussit tout le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait avant? Arg! Yarg! Yarg! Quelle voix de la bouffe! Bah, comme d'hab, hein! Comme d'hab, on va voler la bouffe, hein! Ok, c'est bon, la performance est finie. On va... Allez, celle-là. Au pepperoni. Et puis... Je pense que c'est tout ce qu'on va prendre, parce qu'à chaque fois, je finis pas. On va prendre à chaque fois un truc, c'est déjà pas mal. Ok, on a fini la performance. C'était plutôt pas mal, je trouve. Tiens, on va aller discuter avec Shingo. S'enseigner sur le salaire. Non, ça se fait pas. On va discuter du travail comme des collègues professionnels. Ok, donc on n'a pas gagné le max, je crois que c'était... On pouvait gagner jusqu'à 1400 simflouz, je crois. Mais on a gagné 1300 simflouz. Au moins, on termine bien cet épisode quand même. On le termine bien, les gars. Purina lui arracha l'oreille et dut se résoudre à vendre des cailloux. Alors, c'est dans la boîte, Ariana a terminé toutes ses scènes. L'équipe s'apprête à partir. Donc on va rentrer chez soi. Alors, on est devenu promu au poste de guest star. C'est pas mal. On a gagné de la notoriété et 1300 simflouz, les gars. Hein. Ça c'est pas beau. Dragleux, c'est un petit peu vite quand même. Hein. On a du fric. Oui, on a commencé avec pas beaucoup de fric. On a presque fini avec rien du tout, clairement. Mais on finit avec quand même pas mal. Et en termes, déjà on va mettre la pizza à l'intérieur du frigo. Moi ce que j'ai envie de savoir surtout c'est en termes de notoriété. Bon, ça a augmenté un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Moi d'un côté ça m'arrange que ce soit pas si facile, sinon ce serait ennuyeux de en deux jours devenir superstar mondial. Mais c'est vrai que ça augmente assez doucement. Ça c'est... Hop, on va lui demander de faire des trucs un petit peu basiques. Mais je suis contente. Attends, 1300 plus 350. Pourquoi on a mis 650? Est-ce qu'on a reçu une prime ou quoi? C'est pourquoi? Est-ce que ce serait parce qu'on a été promu? Non. Je sais pas. Pourquoi on a gagné de l'argent? Je sais pas. Est-ce qu'on a des factures à payer ou c'est bon? Je pense que c'est bon. C'est plutôt pas mal, on est bien. Elle vole la bouffe comme si c'était de l'eau. Ouais, ça monte doucement. Hein. C'est vrai que ça monte doucement, mais au moins ça rajoute du challenge. Ça rajoute du challenge. Bah écoutez, ce que je vais faire là, c'est que du coup, on va s'arrêter là-dessus. On aura bien avancé. Ça commence à bien rapporter, donc ça c'est cool. Et on va pouvoir peut-être plus tard améliorer un petit peu sa maison. Moi, de toute façon, je pensais rebâtir complètement la maison sur de nouvelles bases, etc. Là, j'avais fait un truc rapidement pour que ça ressemble à quelque chose de miteux. Nouveau les Miss Citron. Bah, GG, Juju. C'est quoi ton super héros préféré? Perso, moi c'est Thor. Bah, moi c'est Arlélélél. C'est pas une chanteuse? Si, si, c'est une chanteuse. Mais elle a commencé en étant une actrice dans Disney Channel. Hein. Faut pas l'oublier ça. Elle a une carrière avant de devenir chanteuse. Mais vous inquiétez pas, on va couper là pour la rediffusion par contre. Donc au revoir pour les gens qui ont regardé cet épisode en rediffusé. Et pour les autres, vous inquiétez pas. Mais non, parce que j'ai dit 15 dans son chat. Mais pour les autres, vous inquiétez pas, on va faire gagner Heure de Gloire avant. Et peut-être qu'après, je relancerai le live pour faire du DPD. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live maintenant. Je vais relancer le live. On va faire gagner le truc, comme ça, j'ai pas besoin de couper au montage.
Et voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Et pour ceux qui ont regardé la rediff, gros bisous à vous. Et pour les autres, pour Heure de Gloire, bah restez là, je relance le live pour leur mettre à zéro. Voilà. À tout de suite.